Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit jeu que j'ai trouvé sur une chaîne YouTube, je vais pas vous mentir, en anglais, qui fait qui présente des bons plans sur les jeux vidéo. Donc, je suis allé voir. Donc, apparemment, il y avait le jeu Figment qui était pas trop cher. Voilà, sachant que vous pouvez l'avoir gratuit, il est en gratuit en ce moment sur itch.io. Donc, si vous avez un compte itch.io français. Donc moi j'ai pas de compte et j'avais pas envie de m'embêter la panne sur Itch.io d'ouvrir un compte. Je l'ai carrément pris sur Steam. Je suis allé voir le prix qui coûtait et comme vous pouvez voir, un prix totalement dérisoire. Il était aux alentours de 19,90. Ouais, si je dis bien. Et moi j'ai pris carrément le pack avec les trois jeux. Bon, je suis pas déçu. Voilà. Donc si vous savez pas ce que c'est comme jeu, ben, je vais me lancer et puis on va jouer avec. Et en plus, chose bien, c'est que c'est compatible sous Linux. Quoi de mieux? Voilà. Et aussi, vous avez le nouveau aussi Humble Bundle qui vient de sortir, si je le trouve. Il s'appelle Fuck contre le cancer. Voilà. Celui-là. Voilà. Donc vous avez tous ces jeux-là. Bon, sachant que bien sûr, le Dead by Daylight, là, vous pouvez oublier à cause de l'anti-cheat, ça ne marchera pas. Mais normalement, le reste, ça va marcher. Voilà. Donc sachant que rien que pour apparemment Red Factor, il paraît qu'il est bien, je sais pas, jamais joué. Le bundle vaut le coup, quoi. Voilà. Puis je crois que celui-là aussi, il est pas mal, Tenhunter, j'ai pas essayé. Voilà. Bon, ça, je pense que Payday aussi, il marche sous Linux. Donc ça fait déjà ça. Donc rien que le prix du pack, ça vaut le coup, quoi. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on va s'occuper de jouer à Figment. C'est parti. Perso, j'ai trouvé le jeu magnifique. On va voir si OBS me fait pas trop de bêtises. Elle n'a pas envie. On va faire une nouvelle partie comme vous voyez le début. Ça se joue à la manette. Donc au début vous avez l'intro, je vais vous la laisser parce que c'est quand même pas mal fait. Donc c'est quand même dommage de ne pas vous la laisser. Là, j'ai pas compris, mais bon, on va voir après dans le jeu. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même magnifique, quoi. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc là, comme vous l'avez compris, il faut aller chercher.
Voilà, faut chercher une batterie. M'expliquez pas le rapport par rapport à l'intro, j'ai pas compris. Voilà. Alors là, c'est chiant, faut appuyer sur les touches. Ah, appuyer sur la gâchette. C'est qu'il y a un bouton, c'est mal foutu. Ouais. Ah, faut appuyer sur une gâchette de la manette Xbox. Et là, comme par hasard, on peut rien lui faire, lui. Là, on peut pas, je sais pas pourquoi. Salut! Non, non, on peut pas.
Voilà, donc c'était un petit essai du jeu. Bon, voilà, je vais pas tout faire non plus, ça serait pas intéressant. Donc, quoi dire de plus? C'est pas mal, on dirait du Rayman, à l'ancienne époque. Je trouve que c'est pas mal quand même pour le prix. Je pense que c'est une très très bonne affaire. Donc voilà, vous pouvez aussi l'avoir gratuit si vous avez un compte chez Itch.io. Mais bon, si vous voulez prendre sur Steam avec les trois jeux, ça vaut vachement le coup. J'ai pas encore essayé les trois jeux, mais bon, rien que celui-là déjà, ça va être cool. Donc voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis à la prochaine. Voilà, c'était fini. Mais si j'ai d'autres jeux à vous présenter, j'essaierai de faire une vidéo, d'être un peu plus présent. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour le podcast.